même faire le transformer vital à grande. 1 litre. 1,5 litre. Superman. Ou vital. Non glacé ou glacé? Non glacé. Voilà, donc comme je disais tantôt, ils vont analyser, non? Analyser, voir combien de sujets est-ce que tu as déjà, voir par exemple tes bilans financiers, c'est-à-dire les ventes, les dépenses et tout, comment tu fais l'activité, c'est-à-dire un peu l'audit de ton activité. Et après maintenant, il y a un contrat qui sera établi. Et maintenant dans le contrat, il y aura des clauses qui vont être définies entre toi et tout. Et c'est maintenant au bout de ce contrat-là que, bon, après concertation des deux parties, c'est-à-dire quand tu seras vraiment, tu seras d'accord, ils seront d'accord. Et bon, dans ce cas-là, ils pourront démarrer la première phase de relance. Et donc, généralement, c'est comme ça. Et bon, les clauses, généralement. Mais généralement, dans les clauses, c'est vrai que c'est ton entreprise. Tu détiens, je peux dire, la majeure partie des parts. Et maintenant, quand ils te financent, ils prennent maintenant un terme de part. C'est-à-dire, ils vont dire, bon, toi, si on avait te demander combien de parts est-ce que tu as dans ta boîte, parce qu'il peut arriver que tu n'es pas la seule qui finance ton projet. Alors, on va te dire, ils vont donc te demander combien de parts est-ce que tu as publié pour ton entreprise. Soit dans les équipes, bon, pour le moment, les 100 par les 20 par les 40 par les 100. Et on dit, bon, on va prendre en termes de part. On va donc prendre peut-être, ils vont faire 50 par 20 par, ça va dépendre du nombre de parts disponibles. Et quand ils prennent donc ce nombre de parts, bon, ils vont demander combien coûte une part. Je dis peut-être que tu laisses une part peut-être à 100 000. 50 000, donc ils vont dire pour nous que tu as par exemple 100 millions, 500 par, ça va dépendre. Et quand ils prennent donc ces 500 par, ils vont dire bon, voilà, il y a un retour sur, il y aura bon, ils attendent aussi un retour sur l'investissement. Ils vont dire bon, pour le moment, tu as disons 1000 sujets. Après, combien de temps est-ce que tu vas commercialiser ces 1000 sujets? Et combien de rentabilité est-ce que tu auras? Voilà, bon, tu vas leur dire et ils vont dire bon, c'est à dire si on finance là actuellement, tu pourras agrandir ton exploitation et peut-être au bout de 5 mois 6 mois, tu auras par exemple atteint un chiffre d'affaires disons peut-être de 20 millions. Voilà, dans ces 20 millions, quel est le bénéfice, quelle est la rentabilité? Peut-être tu vas dire dans ces 20 millions on aura peut-être disons 8 millions de rentabilité. Voilà, maintenant dans ce cas, qui seront payés maintenant en fonction du nombre de parts qu'ils ont investi. Voilà. Donc ils vont dire bon, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça se passe. Ils seront payés en fonction du nombre de parts qu'ils ont investi. Donc généralement, il faut au moins un mois. Et il y a aussi les notaires qui interviennent. Finalement, pour la signature du contrat, il va falloir la présence d'un notaire qui approuve évidemment les clauses. Voilà, la présence d'un notaire. Et ça, c'est dans le cas où vous êtes d'accord. On va faire appel à un notaire et bon, ça va être. En fait, quand il me donne là, si il me donne pas un notaire, il me dit, c'est un problème. 10 000, il peut même te prendre même 30%. Mais c'est beaucoup. Et non. Puisque dans si tu vas prendre un pour faire travailler. Ou alors, si tu prends 30%, c'est l'intérêt qu'ils prennent. Oui, c'est l'intérêt. Par exemple, si tu fais un bénéfice de 100 000 euros, tu prends 30 000, tu veux t'aller 100 000. Le problème de que là, ça veut 60 000, mais je dois d'abord calcul de l'intérêt, en fiction tout. Ou alors, ils vont me dire, bon,
quand tu réalises ton business, au bout de peut-être 6 mois, oui. si ton chiffre d'affaires est X chiffres. Donc, on prend mais si c'est qu'ils prennent pas parce que non seulement toi qui prends, qui reçoit les prêts d'argent, non seulement tu dois commencer avec l'intérêt, mais tu dois aussi toi-même maintenant avoir investi pour gagner quelque chose. C'est pas comme si tu allais travailler pour quelqu'un, c'est pas parce que tu as des charges de production. Et les moyens d'écoulement, ça vient de toi-même. Donc eux en réalité, ils sont juste là pour financer. Ils financent et lui, il sait qu'en tant que peut-être bailleur de fonds, à la fin, il a tel pourcentage peut-être chaque mois. Et sans compter que tu dois encore enlever le capital. Oui, c'est vrai. Bon, généralement, ça dépend aussi. Hein. Quand tu causes avec eux, non, ça va dépendre. Oui. Quand ils disent 30%, tu as dit, c'est généralement, c'est que, tu vois. Il peut arriver que tu négocies mieux avec eux, on diminue, tu diminues le pourcentage, peut-être à 10%, 15%, 20%, tu vois. Ça va maintenant dépendre parce qu'ils peuvent aussi te financer. Tu dis, bon, on ne va pas prendre le truc sur un mois, on va dire, peut-être sur 5 mois, voilà, sur 5 mois. On prend par exemple une part et on voit à quel niveau est-ce que tu es. S'il y a possibilité, on peut prendre le capital et tu peux aussi continuer ça. Et si il y a aussi possibilité, on peut continuer à tout prendre. Voilà, c'est un peu. Donc c'est comme ça. Et depuis que vous avez commencé, vous avez déjà eu à tout un certain. Que ce soit dans la situation. Le maximum possible, pourquoi